D'accord, tu vas pas te dire la vidéo quand même. C'est ta maison. Oui, maison. Oui, bon, allez. Bon, bien. Donc ici, ce qu'on va faire. Donc, Jean-Jacques, lui, c'est un pro de panneaux solaires. Je vous le présente. Hein. Les jeunes qui veulent avoir des formations ici au Congo pour les panneaux solaires, c'est Jean-Jacques. Il va s'en occuper. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours à côté de moi, parce qu'il aime les panneaux solaires. Donc, si on parlait de mangoustan. Si on parlait de mangoustan, voilà. Donc, moi, je voulais dire, le mangoustan, il faut les aligner, selon moi. Faut les selon aligner. Ce que j'ai compris. Donc, si on prend ça, on fait ça. Toi, tu tournes la vidéo quand j'explique. Sois pas figé. Donc, si on prend ça, on considère que ça, c'est la clôture, là, la limite, là. Oui, okay. D'accord. Ça, on oublie. Tout ça. Ok. On oublie tout ça. On est d'accord? Oui, oui. Maintenant, on peut dire que la terre, là, elle va bouger aussi, ça, c'est sûr. Hein, elle va se bouger. Ah, ben, elle va se déplacer avec les pluies, elle va s'en aller. Voilà. Et on va la bouger, parce que plus tard, toi, tu vas la bouger. Maintenant, moi, je veux commencer mon premier pied de mon bouton ici. Oui, c'est bon. Ici. Oui, ça va. On est d'accord. On est d'accord. Là. Quoi, la pelle, là, elle va céder ou quoi? On commence par ici. Là, tout de... On m'a dit qu'il faut faire un trou de 50 cm à peu près. Ah ouais, 50 quand même. 50 cm. Après, il faut mettre des feuilles, là, les... l'herbe, tout ça. Comme les mangoustans sont dans un petit... ils sont déjà dans un... Ouais, un petit paquet. Un petit paquet. Je veux juste couper en bas. Je pose le paquet au milieu. Et après, ils vont mettre de l'eau. Mais comme tu as donné l'idée que tu viens de donner, génial. On va encadrer avec les briques dans un premier temps pour empêcher. Pour signaler. Voilà. Donc là, c'est pour le mangoustan. Le mangoustan, il fait des plantes. Oui, voilà, ça dépend. Donc il faut passer, il faut compter 20 mètres à peu près. Je fais comme si je fais 1 mètre, 2, je m'amuse. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, moi, je peux mettre 7 mètres. Le mangoustan, je ne l'ai pas ici. Ou sinon 7, 8, 9, 10. Mais là, il y a un trou. Tu mets 10. Ouais, mais le problème, il y a un trou là, Jean-Jacques. Oui, mais le trou, on va le déplacer avec la terre, ça, on peut bouger ça, pour boucher le trou là. Non, moi, je préfère qu'on le mette là. De toute façon, j'ai vu à Boko, c'était un peu, c'est pas au collet, mais c'était pas. L'arbre ne va pas venir ici. D'accord. On va mettre ici parce qu'il faut protéger les plantes aussi. Je fais confiance, moi. Je sais pas à Boko comment c'est fait. J'ai vu la vidéo, mais il y avait tellement de plantes que. Là, on met. On est d'accord? Oui, ok. Troisième plante, je m'arrête là parce que la maison va venir par ici. Donc, t'en as cinq. Ouais, donc j'imagine. Après, t'en mets un ici et un de l'autre côté. Ou sinon, je mets un ici. Attends. Pas dans l'alignement. Mais pas dans l'alignement. Pourquoi? Non, mais je peux mettre un autre, je peux mettre une autre plante à côté. Non, mais ça en quelque je peux mettre un litchi au milieu. Ça aucun compte. Pour faire. Moi j'aime pas ce que tu as aligné. Hein? J'aime pas ce que tu as aligné. Ah bon? Géométriquement aligné, moi j'aime pas. J'aime bien un peu le. Ah tu aimes bien le. Bon, je respectais ton plan. Mais moi je voulais mettre une autre plante par ici. Ou mettre un litchi au milieu. Ouais, on peut le faire. Dis, moi j'aime pas la géométrie fixe. Donc en fait. Moi il faut que tu sois. Je mets ici Jean-Jacques. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais. Non, mais après, c'est pas grave, ça se déplace. Je suis désolé pour toi, mais ouais, je. Ouais, mais après, les mots. Je vais essayer de ne pas respecter ce que tu me dis. D'accord, ok. Après, à ta tête. Ouais, normal. Je fais ce que je veux, moi. C'est normal, t'es congolais. Bah oui, c'est normal. C'est ça, les Africains sont têtus. Mais ça, c'est vrai, par contre. Tu sais pourquoi les Africains sont têtus? T'as vu en France, quand on a dit faites le vaccin, tout le monde est parti. Mais ici, les gens, on leur dit de faire les vaccins. Ils peuvent pas. Oui, parce qu'ils ont peur de mourir. En France, on n'a pas peur de mourir. Ouais, mais le problème, c'est qu'on est jamais meurs aussi. Bon, Chris, t'as vu, non? Mais nous, en France, on n'a pas peur de mourir. Voilà, donc, on
Bon, moi, je vais faire 6 plantes et je m'arrête à 6 plantes. Bah, tu m'as dit que tu en avais que 5. Ah oui, tu vas mettre un litchi. Non, ça dit pour essayer d'abriger. Tu mets un litchi, ok, ok. Voilà. Ok. Là, là, c'est bon. Donc, Jean-Jacques, le gars qui va rester. Le gars qui va rester avec toi. Il peut profiter de mettre un arbre ici. Là. Après de profiter aussi de mettre là-bas meubler ici aussi. Voilà, on peut faire par ici. Non, t'as une belle un bel endroit, je te dis, sur les côtés. Après, et puis les arbres aussi, ça protège la terre. Bien sûr, on sort ici pour éviter, ça empêche de couler. Voilà, pour éviter que la terre tout le temps qu'on la perde. Je suis d'accord, ça arrête. On va mettre les plantes ici comme les safoutiers et tout ça qui vont, sont balèzes là. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup là-bas. On va les mettre là tout autour. On va les mettre tout autour. Et tu verras qu'on aura la belle vie. Donc moi quand c'est dans ma maison, je te donnerai des bananes de l'autre côté. D'accord. En plus, ça pue au bon côté. Hein. Ben, c'est normal, moi je choisis. C'est comme les vrais Français quoi. J'ai choisi le meilleur. Les Français pas toujours les bonnes choses. Ah ben, c'est normal. Hein. On laisse aux Africains. On laisse aux Africains la mer. T'as vu comment ils sont? Les Français, ils font toujours des bonnes choses et des belles choses, même les femmes. Ils ont toujours les plus belles femmes. Ah oui, les Africaines. Voilà. Et nous, on nous laisse la merde, quoi. C'est pas sérieux, hein. Tu trouves ça normal? Oui, non. C'est de l'injustice, ça. Mais bon, nous, on sait choisir. Ah. Tu sais ce qu'on va faire, Jean-Jacques? On attend, j'y vais, là, on va faire le reportage. Ah oui, parce que... Là, il faut que je fasse décoller mon drone. Non, mais maintenant, moi, ce que j'aimerais bien, on a vu, il est 8h18, on a le temps, c'est ce que j'ai fait ici, là. Quand tu travailles sur ta maison. Ta voilà. Maison, moi, j'ai rien à foutre. Non, mais je sais bien qu'on n'a rien à faire. Mais bon, après, c'est pas ma maison spécialement, puisqu'il y a Michel qui est dans l'eau aussi, à toi aussi. C'est pas le problème, c'est de savoir si là, ça te va. Bon, voilà, j'explique un peu. Moi, j'aime travailler dans le partenariat, j'aime les gens comme d'habitude. Jean-Jacques, c'est un ami, donc il va construire, entre guillemets, il dit chez moi. Oui, chez toi. Il construit chez moi, donc toujours dans le cadre de partenariat. Et donc là, il m'oblige que j'aille voir sa maison. Non, mais t'es grave, toi, Jean-Jacques. Bon. Je te donne la terre et tu veux que je vienne encore te valider la terre. Mais c'est normal, je peux pas faire n'importe quoi chez toi. Ok. Bon, c'est toi le propriétaire, c'est pas moi. Y a pas de souci. Je suis là, j'utilise, tu me mets à dispo une parcelle, savoir si ça va. D'accord. Non, après. Mais Jean-Jacques, t'as réfléchi. Donc ici, c'est bon, mais la dalle. La dalle, je vais la mettre où? Donc là, ça, c'est ta maison. Non, enfin ça c'est la surface de la dalle. La surface c'est de la dalle. La maison. Ok. C'est la surface mais ta de la maison dalle. Tu l'as construite dans ce sens-là? Comme ça. Non, c'est comme elle est comme ça. Oui. Elle va être droite ou elle va être comme ça? Comme je vois le. Non, elle va être droite. Ouais. Elle va pas être penchée. Non, attends. Nous on met des choses droites quand même. Oui. Non, mais là il faut creuser, il faut aligner, il faut faire là. Sur là j'ai compris l'idée. En gros, tu veux mettre ta maison ici. Oui, bien sûr, c'est ça, oui. Tu veux mettre ta maison ici. C'est validé, je t'accorde. C'est ce que je t'ai dit. Non, mais après, derrière, il faut pas que toi, cette partie-là, c'était la partie que tu avais vue avec Michel. Non, je t'accorde. Avec Michel. La partie. Vas-y, donc, maintenant, s'il faut faire plus petit, on peut faire plus petit. Non. Tu fais ce que tu veux. Je t'ai donné mon accord. Tu construis. D'accord. Je veux pas mettre la terre au ciel. Fais ce que tu veux. Ok. D'accord, c'est bon. Après, voilà, derrière. Je donne gratuit. Vas-y, pose. Okay. Fais ta maison. Tu veux construire une maison à étage? Non, zéro. Jamais des maisons à étage ici. Ça sert à rien. D'accord. C'est bon pour. Donc, moi, tu m'autorises de mettre mes plantes derrière. Oui, pour protéger ta maison. J'autorise que tu mettes. Donc, moi, je travaille comme un cobaye pour protéger ta maison. Oui, voilà. Je protège pas la mienne, mais je protège ta maison. C'est ce que je souhaite. Ah, mais ça a toujours été comme ça, quoi. Moi, je dois travailler pour protéger ta maison. C'est normal. C'est pas possible, ça. L'esclave, c'est toi, c'est pas possible. Ah, t'as compris. Hein. Moi, c'est l'esclave du travail. Mais là, c'est lui, l'esclave, t'as vu. Qui bosse chez qui? Attends, tu sais ce qu'il m'a dit? Ah, boss, on t'attend. Il faut que tu viennes valider. Voilà. Non, patron, t'as dit patron, il faut que tu viennes valider la maison. Non, c'est pas valider, c'est valider l'emplacement. D'accord. Valider non, l'emplacement bon. De façon à ce que. Alors, quel projet tu as là-bas où il y a le conteneur? Non, moi ce que je voulais faire là-bas. Quel projet? Là-bas, ce que je voulais faire. Tu peux tourner pour regarder un peu ce qu'on veut faire là-bas. En sorte, ce que je voulais faire, Jean-Jacques. Tu sais, dans la vie, il faut avoir l'esprit de. Ah ben, initiative. Et voilà. Puis de dire, je fais. Bon, ça, c'est vrai, tout le temps. Voilà. On m'a toujours appris. En fait, moi, ce que je voulais faire là-bas, je voulais faire ça. Tu peux aller, si tu veux.
Moi, j'en vois là. Déjà, pour savoir qu'on est quand même. Ça, c'est la maison à lui. C'est la qualité. On a planté les arbres. On fait remettre d'autres arbres ici. Hein. C'est ça qu'ici, on pourrait mettre aussi des. Non, ici. Non, ici, il n'y a pas d'arbres. Ici, il n'y a pas d'arbres. Les grands, là, ils font. Oui, mais ça, tu peux laisser. Parce que ça pousse pas. Pas c'est, ça va tout. Non, mais je vais laisser là-bas. Mais il faut qu'on. Non, tu disciplines. Discipline. Discipline. De toute façon, parce que la mer, on la voit. Bah, c'est exagéré, mais je voulais avoir, je voulais qu'on ait un point d'accueil. Un point d'accueil, Ganda. Voilà, par exemple, toi, si quelqu'un vient, c'est pour ça que je disais, ne mets pas ta maison devant, parce que n'importe qui va venir, voilà. C'est pour ça que cet endroit-là, il faut le laisser libre. Le conteneur est là, après tu peux monter ce que tu veux. Ici, par contre, on peut niveler comme il faut et laisser que des arbres, des petits. Voilà, ouais, ok. Tout ce qui est petit. Je laisserai le soin de le faire. En sorte, moi, ce que je voulais qu'on fasse là, c'est un point d'accueil. Quand les amis viennent nous voir, on peut s'asseoir là, on prend un petit, je sais pas quoi là. Quand question n'est pas amener tout le monde à la maison. Quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Mais alors, après, tu peux te faire un débit de boisson, enfin, comme on veut. Après, si, à partir du moment où tu auras l'électricité ici, tu mets un congélateur, tu mets de la boisson fraîche, tu mets du poisson frais et tout ça. Après, derrière, on utilise ça pour les gens qui passent ou les 4x4 qui viennent le week-end et puis on peut faire des petits trucs. Quoi. On peut installer là-bas devant, comme tu le souhaitais, un air de pétanque, de jeu. Mais pause. De jeu. Que le sable rentre dedans, tu vois. Et puis il faut protéger aussi les arbres. Parce que ici, quand il pleut, l'eau passe en puissance. L'eau passe en puissance, non? C'est pour ça que j'ai fait ça. Pour éviter que la plante soit menacée quoi, à l'intérieur. Donc, par exemple, la fraise, je suis obligé de mettre un peu de la terre tout au bout comme ça pour empêcher ces briques-là de se déplacer. Parce que quand je viens ici, là, ça vient en puissance. Hein. Voilà. Parce qu'on va planter mon rostan ici, c'est un peu fragile. Donc, il faut bien protéger. Tout ça d'abord, on a mis des trous de 50 cm à l'intérieur, comme nous ont recommandé les gens de Bocol. Hein. Ça, c'est la voiture qui est arrivée. C'est pas JV, ça. Voilà. Donc, voilà, je fais ça. Je vais séparer. Ça fait là, il faut fermer. Pareil. J'essaie de mettre la terre tout autour pour solidifier un peu la structure. Parce qu'il faut que. Voilà. Comme ça. Les feuilles, je peux les mettre dedans comme ça. Pour, tu vois, la terre, elle fait un peu fumier. Je mets dedans. C'est dans la plante. C'est la pépinière, hein? Tu vois? Donc ça, c'est mon goustan. Je vais commencer par remplir mon goustan.
Ok. Donc, je vais juste ouvrir comme ça en bas. Ok. Ouvrir en bas. Fais ça. Pour éviter que la terre, le résine puisse partir. Je le laisse au milieu comme ça. Ok. Dans un premier temps. Voilà. Je vais d'abord laisser dans son sachet. Et le sachet, je vais le déchirer comme ça. Un peu. Ça partira tout seul. Donc, pour stabiliser un peu la plante, je prends un peu de la terre comme ça. Je mets tout autour. Ok? Ça c'est que tu vois fumer les gens qui arrivent là-bas. Ça c'est le gars du ménage. Ils amènent le gravier. Oui, il y en a qui emmènent le gravier, mais ça c'est le gars du ménage qui vient faire la propriété. Ah, qui vient faire? La propriété qui désherbe. Ah, les gens qui désherbent. Non, celui qui vient, le monsieur qui désherbe. Maintenant, ceux qui sont dans le moyen, c'est ceux qui ramènent du gravier, je pense. Oh, comment tu vas? Ça va. Ça va? T'as vu l'homme qui plante les plantes? Pardon? T'as vu l'homme qui plante toujours? Ouais, ouais. Ben c'est bien, j'ai vu les plantes là-bas, ça marche. Hein. Donc, là, ils sont en train de planter mangoustan. Ça, c'est vraiment des plantes sacrées, là. Mangoustan, là. Ouais, ouais. Il faut vraiment veiller à ce que, quand vous allez rester, de mettre de l'eau, voilà, tout le temps. Tu peux venir, il n'y a pas de problème. Il faut prendre ça, mettre de l'eau. Donc, là, j'ai laissé la plante dans sa structure. Comme ça, on met un peu de l'eau, ça va pousser, ok? Ok. Donc, moi, dans un premier temps, tu as vu la pépinière que j'ai mise? Ah, bon. Voilà. Parce que je ne peux pas tout planter. Il y a 37 arbres là-bas. J'ai pas le temps de faire tout ça. Ouais. Mais je commence un exemple. On a été avec Jean-Jacques. Ouais. Donc là, je vais mettre 6 plantes. Ok. Ouais. Maintenant, pour mettre les plantes, ici, dans un premier temps, il ne faut pas mettre. Parce que là, on va agrandir la maison. Ce qu'il faut faire, tu as vu comment j'ai fait? Oui. Tu peux aller derrière moi, hein, tu peux le faire. Tu sais planter, non? Si, si, si. Tu peux aller, tu comptes 1, par exemple, 1, 2. 3, 4, 5, 6. Après, pendant ici, tu gardes l'alignement là, tu fais un trou ici, tu fais un trou là-bas, tu fais un trou là-bas. Là-bas, tu peux continuer, tu mets aussi. Pourquoi? Parce qu'il faut stabiliser la terre. Ah oui, c'est ça. Quand tu as des plantes, oui, la terre est stable. La terre ne peut pas partir comme ça. Voilà. Parce qu'ici, la terre a l'habitude de partir, tu vois, non? Donc, moi, par exemple, là, je vous mets les 6. Voilà. Les autres, j'ai expliqué à Jean-Jacques, on va les planter là-bas, derrière la montagne. J'ai quelqu'un qui va venir, qui va vous rencontrer. Donc, je vais laisser, je vais faire la montagne. Vous tirez comme les plantes qui restent là. Et puis, non, mais ça, je mets dans un trou. Tu peux m'aider, là. À mettre dans un trou, merci. Mettre dans un trou comme ça. T'as vu, mais Gabi, non? Il faut éviter de les mettre n'importe où. Il faut chercher un endroit spécial où vous mettez les tensions. Hein? Par exemple, le carton va pourrir, tant pis. Donc là, je vais mettre un deuxième mangoustan. Voilà. Là, je vais mettre un deuxième mangoustan. Ok? Donc là, j'ai pris le premier. Moi, bon, à toute vidéo, je ne peux pas s'éteindre. J'ai pris le premier, donc je mets un deuxième. Bon, ici, le trou n'est pas encore trop près. On va essayer de voir. Ici, t'as mis beaucoup. Ah oui. Pas tellement. Le trou aussi, bon, c'est ça profond. Va, ça va? Ça va. C'est trop profond. Voilà. J'ajoute un peu de la terre là. Voilà. Là, j'ai fait ça. Je vais ajouter moins deux ou trois pelles comme ça. Voilà.
Non, ça peut aller. Donc on a mis les briques pour empêcher que... pour empêcher de telle sorte que la terre ne rentre le sable. Hein. Donc après il faut penser à... Donc moi dans un premier temps, les sacs là je les enlève pas totalement. Question de stabiliser, voilà, parce que j'ouvre seulement en bas et je déchire un peu comme ça pour donner la possibilité le jour qu'on va vouloir enlever le sachet, qu'on ne puisse pas souffrir. Donc tu vois, on fait comme ça. Donc, un deuxième plan. Pas facile, hein? Ah, c'est pas facile. Faut avoir la volonté, hein? Ah oui. Faut aimer le travail pour faire tout ça. C'est ça. Et aussi aimer les gens, parce que les plantes, par exemple, les mangoustans là, c'est dans 8 ans à peu près que ça a commencé à donner. Ouais. Mais les litis, c'est dans 2 ans. Bah. Oh. Il y a quelqu'un qui est venu là-bas. Il dit, c'est pas prêt. Si, c'est prêt. Non, il manque un peu de... Voilà. Je vais mettre le troisième et puis tu vois. Si au Congo on pouvait planter des arbres comme ça même tous les jours, ça va être bien hein, pour tout le monde. Voilà. Stop, on va s'arrêter là. Hein.